Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. En fait, aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne. J'avais besoin de... En fait, j'avais envie de filmer aujourd'hui, mais je savais pas quoi filmer. Puis j'avais besoin de vous parler, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas filmer en me maquillant. Donc ce sera plutôt un vlog où je vous raconte, enfin où je vais vous raconter des choses, enfin où je vais vous dire des choses. Donc voilà, je vais pas vous dire les produits que j'utilise, je les listerai en barre d'infos, sinon ça risque d'être trop long. Donc voilà, on va commencer de suite. Donc pour commencer, qu'est-ce que je vais vous dire? Ah oui, pour celles qui ne le savaient pas, en fait je ne l'ai pas trop dit parce que voilà, c'est pas des choses que j'aime dire. Depuis le 1er décembre, je ne travaille plus. Et donc voilà, après je me suis dit, je vais laisser passer Noël, le jour de l'an, etc. Pas les poser des CV maintenant parce qu'ils doivent, ça doit être rempli les magasins, ça doit être mort de monde. Puis je me suis dit, ça, je me remettrai dans les recherches début janvier. Et donc je m'y suis remise la semaine dernière. Donc j'ai posé pas mal de CV, donc quelques-uns qui m'ont rappelé. Et donc là j'attends des réponses. Donc désolée si je ne regarde pas la caméra, en fait j'arrive pas trop à me maquiller devant la caméra, en fait j'ai mon miroir juste ici et donc voilà, j'attends des réponses, donc je verrai bien. Toujours dans la vente, j'aimerais bien. Après j'ai pas mal parlé avec ma famille et il y avait un boulot qui me plaisait bien où on était très bien rémunéré et c'est pas dans la vente, mais voilà, je suis pas trop compliqué là-dessus. Moi, à partir du moment où je travaille, après, comme on dit, il n'y a pas de sous-métier, donc je prends ce qu'il y a. On va pas se leurrer maintenant, la vie est très compliquée et c'est très cher. Donc si on commence à faire comment on appelle ça, des manies pour pas... Je vais mettre mon téléphone sur silencieux. Si on commence à faire comment on appelle ça, à dire non, ça je veux, ça je veux pas, à être compliqué, voilà, on s'en sort pas. Moi j'ai besoin de travailler, je ne supporte pas ne rien faire, donc voilà, je prends là où il y a et puis c'est tout. Voilà, je vous tiendrai informé quand en temps voulu, quand j'aurai trouvé. Pour l'instant c'est pas le cas, mais je ne désespère pas. J'ai toujours, je touche du bois, mais j'ai toujours eu de la chance là-dessus. J'ai toujours été rappelée quand je posais des CV, donc. Voilà, on verra bien. Aujourd'hui, je ne compte rien faire d'intéressant. Voilà, je voulais vous filmer un vlog, mais je me suis dit aujourd'hui, je vais rien faire. Donc, autant filmer devant ma caméra à vous parler, ce sera peut-être mieux. Donc, dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, je voulais vous dire un truc aussi. Quand je regarde mes statistiques, etc., sur mes analytiques et tout sur YouTube, je me rends compte qu'en fait, la majorité des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées à ma chaîne. Donc, pour celles qui ne le sont pas, vous pouvez, c'est gratuit, vous pouvez vous abonner en bas à droite quand vous serez sur... Oui, en bas à droite. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, et puis vous recevrez une petite notification pour vous dire quand c'est que mes vidéos seront... Quand j'aurai posté des vidéos, etc. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, aux 5000 abonnés, je vais faire un gros... Enfin, je vais faire une grosse vidéo. Comme vous savez, je crois que le plus de vidéos demandées sur ma chaîne, c'est... comment on appelle ça? C'est mon room tour et mon rangement maquillage. Et c'est ce que je vais faire. Donc, je pense le faire aux 5000 abonnés. Parce que autant le faire pour un but précis. Et voilà, je voulais vous remercier comme ça. Voilà. Là, j'en suis pas très loin, mais il m'en manque encore pas mal. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Puis franchement, on va pas se leurrer, c'est vraiment très encourageant de voir que notre nombre d'abonnés se grimpe en fait, et voir que nos vidéos me plaisent, etc. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner, c'est entièrement gratuit et franchement ça fait plaisir. Donc voilà, ce que j'ai regardé tout à l'heure, les analytiques, et je me suis rendu compte vraiment que la moitié des personnes qui regardaient mes vidéos, c'est des personnes qui n'étaient pas abonnées à ma chaîne. Et c'est un petit peu dommage, donc voilà, qu'est-ce que je vais vous dire de plus? Ah oui, je suis en pleine préparation d'un swap, donc je ne dirai pas avec la personne. Je pense que la plupart des personnes seront étonnées quand ils verront avec qui je l'ai fait. Mais je parlerai de ce sujet quand je ferai le swap. Donc voilà, ensuite qu'est-ce que je vais vous dire?
Qu'est-ce que je vais vous dire? Ah oui, en ce moment j'ai plus trop d'idées de vidéos à faire. Donc franchement, si vous avez des idées, je pense faire un Get Unready. Donc à partir du moment où je rentre chez moi le soir. Mais ça, j'ai ma copine Laurine. D'ailleurs, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos pour celles qui veulent s'abonner, celles et ceux qui veulent s'abonner. Vous allez souvent la voir sur ma chaîne, etc. Donc voilà, ça lui fera vraiment plaisir de se voir que ses abonnés grimpent. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc elle va venir m'aider à la filmer parce que toute seule avec le trépied, etc., on perd encore plus de temps. Et donc voilà, c'est plus simple quand on est à deux. Donc dites-moi si ça vous intéresserait, une vidéo comme ça, Get Unready ou quoi. J'ai d'autres tutos maquillage à vous faire. Je pense en faire un pour la Saint-Valentin. Mais je verrai bien si j'ai le temps. Parce que des fois, je me dis, je vais faire ça, 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 ça. Je voulais faire plein de recettes de Noël et j'ai pas eu le temps. Donc je les ferai pour l'année prochaine. C'est pas grave, c'est que partie remise, comme on dit. Donc je pense faire un maquillage avec la Warm Light. C'est avec cette palette-là que je voulais faire un tuto. Mais là, ce sera pas c'est pas le sujet. Désolée, je vais allumer ici parce que sinon je vois pas bien. Et donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire en plus? Ah oui, pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram, d'ailleurs, toujours mon Instagram, je sais que j'avais eu des soucis. Pas mal de personnes me disaient on n'arrive pas à se retrouver sur Instagram, tout simplement parce que j'avais changé le nom. Mais là, ça y est, j'ai tout remis dans l'ordre, etc. Donc vous allez me retrouver sur Instagram. Et pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram, du coup, je l'avais dit. J'ai fait mon rangement maquillage, enfin j'ai rangé mon meuble derrière et ma coiffeuse samedi dernier, donc je ne sais pas quand c'est que je vais poster cette vidéo. Et en fait, limite j'allais pleurer en fait parce que je me rends compte que j'ai énormément de maquillage. Après voilà, c'est une collection, ça fait des années que je suis à fond dans le maquillage, donc vous le verrez dans mon rangement maquillage. Mais en fait, parce que je trouvais pas de, comment vous dire, je trouvais pas le bon rangement, ça me plaisait jamais, etc. Et j'avais limite envie de pleurer, j'étais à bout de nerfs parce que ça me saoulait en fait. Je voulais bien faire et j'arrivais pas, donc voilà. Et je me suis vraiment, là ça y est, j'arrête d'acheter du maquillage pendant quelques mois, j'arrête parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 tiroirs de maquillage, j'en ai encore au-dessus de ma coiffeuse, enfin de mon rangement, j'en ai dans mes tiroirs et c'est un peu trop. Tout le monde me dit que c'est dommage de mettre autant d'argent là-dedans et je me rends compte que c'est vrai parce que j'ai vraiment tout ce qu'il faut. Après voilà, s'il me manque du fond de teint ou quoi, j'irai acheter, mais pas acheter pour acheter, vraiment acheter parce que j'en ai besoin. Et donc voilà, c'est ma nouvelle résolution de cette année. J'en ai pas mis cette année de résolution parce que je vais tenir celle que j'ai pas tenue l'année dernière. Voilà, hein. Et donc voilà, c'est vraiment un truc que je veux me tenir, donc c'est ce que je vais faire, hein. J'attends, là pour l'instant ça fait 3 jours, mais j'ai pas encore craqué. Mais je compte pas craquer. La seule chose que je voulais acheter, c'était la palette de blush de chez, comment on appelle ça, de chez Too Faced, la palette de blush. Et en fait, quand ma copine Laura me l'a dit, et ben la palette était déjà plus disponible, donc je me suis dit c'est un signe. Je m'étais dit que j'arrêtais le maquillage, j'arrêtais d'acheter du maquillage, donc c'est un signe, fallait pas que je l'achète, et donc je ne l'ai pas acheté. Et donc voilà. Donc là vraiment j'arrête parce que j'en ai beaucoup trop et c'est vraiment pas du gaspillage, parce que c'est vrai que quand ma maman elle vient, elle prend souvent des trucs. La dernière fois elle est venue, elle a pris un fond de teint, etc. Mais c'est vrai que c'est dommage. Voilà, c'est dommage parce que je pourrais mettre mon argent dans autre chose. Il me reste quelques 2-3 bricoles à acheter sur mon appartement. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Donc voilà, j'arrête d'acheter du maquillage. Donc vous verrez plus trop des hauls maquillage sur ma chaîne. Je sais même pas s'il y aura d'autres hauls parce que pour l'instant je compte pas racheter. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire autre chose. Ah oui, je sais pas quel temps il fait chez vous en ce moment, mais ici c'est glacial, il fait super froid. Le froid est, désolée, je prends une palette. Le froid est arrivé d'un coup, il n'a pas prévenu. Et ça a été horrible. Ça a été horrible, on sait pas comment s'habiller, clairement. Il avait neigé la semaine dernière, mais ça n'a pas tenu. Mais la nuit, on doit arriver à moins 3, moins 4. La journée, on n'arrive pas à plus de moins. Enfin, comment dire? On n'arrive pas, je crois, en dessous de 2. Mais déjà, quand on est habitué à la chaleur, ben, c'est un peu compliqué. On a du mal à s'y faire. Après, quand l'hiver est arrivé super tard, j'espère qu'il va pas.
qui va pas rester longtemps, hein, parce que nous on veut pas trop longtemps. Moi j'ai hâte d'être cet été. Cet été je pense repartir en Corse, comme j'étais partie il y a 2 ans. Peut-être que je vous ferai des vlogs là-bas, je ne sais pas. Dites-moi par commentaire si des vlogs en Corse vous plairaient. Si je pars, ça sera au mois de juin, mais après tout dépend si je trouve un travail ou pas. Si je travaille pas, je pars. Après, tout dépend si c'est un CDD ou CDI. Donc voilà, j'attends de voir, mais j'espère repartir parce que j'adore la Corse. Je pars à l'île Rousse pour celles qui connaissent. Et c'est vraiment l'endroit qui m'a le plus plu, franchement, dans toutes mes vacances que j'ai faites depuis toute petite. La Corse a vraiment été mon coup de cœur. Donc voilà, je pars. Donc mes grands-parents, ils ont un appartement là-bas, ils partent un mois. Et donc moi je pars les rejoindre, tout dépend là si je pars avec une copine ou quoi. Il y a 2 ans j'étais partie avec ma maman et j'avais adoré. Et voilà, donc c'est tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Ah oui, je suis toujours en train de perdre du poids, je fais toujours attention, je suis un peu moins stricte avec moi-même parce que ça devenait... mon corps a... Enfin, ma tête et mon corps avaient pris l'emprise sur moi-même et donc en fait, je devenais dépendante complètement de mon corps et j'en devenais limite malade en fait de voir que je perdais pas et tout, j'en pleurais etc. Et ma mère elle m'a dit stop, tu arrêtes tout ça, tu fais une petite pause. Donc j'avais fait une pause pendant Noël, j'ai pas repris 1 kilo, donc j'étais très contente. Mais voilà, comme elle m'a dit tu veux pas t'en rendre malade, tu perds au fur et à mesure, mais quand ton corps voit que ça va pas, ça ne sert à rien de... Comment dire? Quand ton corps voit que t'es pas bien, ben c'est pas lui qui va arranger la chose. Donc voilà. Ma mère a été vachement derrière moi et donc je me suis calmée un petit peu. Là j'ai repris plus ou moins. Et puis voilà. J'espère atteindre mon objectif. Je l'ai pas atteint l'année dernière, mais bon voilà, faut pas non plus se forcer. J'espère l'atteindre au moins avant de partir en Corse voilà, pour être bien dans mon corps, parce que c'est un manque de confiance en moi énorme, mon poids. Enfin, j'ai pas du tout confiance en moi à cause de ça en fait. Même quand je sors avec des copines, etc. C'est un peu compliqué. Donc voilà. D'ailleurs, je pense relancer une foire aux questions sur Instagram. Donc ça, vous verrez. Peut-être que quand j'aurai posté la vidéo, la foire aux questions, il sera déjà. Mais allez-y voir. Enfin, allez voir si elle y est ou pas. Mais je pense, parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. C'est vrai que j'adore répondre à vos questions. Voilà, j'aime bien en lancer enfin, assez régulièrement pour ne pas trop en avoir non plus. Et donc voilà, je pense d'ici cet été, enfin d'ici 2-3 mois, reprendre rendez-vous chez le tatoueur pour quelques tatouages. J'ai envie d'en avoir 4. Après, je ne sais pas du tout si je vais faire les 4 à la fois. Je verrai bien. Je ne sais pas du tout ce que je fais sur les yeux, hein. Au pif comme tout le temps, je verrai bien, mais voilà, j'ai envie de repasser sous les aiguilles, c'est vraiment un truc que j'adore, donc voilà. J'ai une mèche rebelle là, ça m'énerve, on dirait petit œuf. Ouais, super. Voilà, faut d'ailleurs que j'aille chez le coiffeur parce que là j'ai des racines de fou, mais j'attendrai février, je pense. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, pas grand-chose, voilà, je voulais parler avec vous, après pas de choses non plus très concrètes. Mon appartement commence à prendre forme, il me manque plus grand chose à acheter, en tout cas dans cette chambre-là, plus grand chose. Il y a quelques changements qu'il va y avoir derrière d'ici la fin du mois, je pense. Mais ça, vous verrez tout ça dans mon room tour. Mais j'ai tellement hâte de le filmer en fait. Ça va être vraiment mon premier room tour et mon premier rangement maquillage, le vrai. Et j'ai tellement hâte de le filmer que c'est vrai que j'ai hâte que mon nombre d'abonnés augmente. Parce que voilà, j'adore et puis voilà, c'est tout. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre de l'eyeliner. Aujourd'hui là, on est mercredi 20 janvier et voilà. Bon, j'ai fait de l'eyeliner un peu épais, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je reste pas maquillée toute la journée, je me connais. Bon, la journée, bon, il est midi, donc la journée est un peu entamée. Mais j'ai eu du mal à me réveiller ce matin. Puis je sais pas, je suis patraque depuis lundi, je suis pas très bien, donc voilà. Puis je pense que c'est le temps aussi.
Comme ma meilleure amie me dit, c'est le blues de l'hiver. Voilà ce qu'elle me dit. Donc, ça doit être le blues de l'hiver. Elle a entendu parler du blues de l'hiver. J'en entends. C'est spécial avec la basse. C'est la basse de chez Essence que vous connaissez, que je mets tout le temps. J'allais chez l'esthéticienne d'ailleurs, mais. Je sais pas, quand j'y vais, j'ai une demi-heure d'attente, ça m'énerve. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, aujourd'hui j'ai posté mon vlog de Lapardieu. Donc je vais voir s'il a plu. Je vais voir s'il y a des commentaires. Pas pour l'instant. Ah oui, d'ailleurs, beaucoup de personnes me demandent sous mes vidéos, quand je parle d'un truc et je dis ben, je vais le vendre ou quoi, beaucoup de personnes me demandent où est-ce que je vends. Donc en fait, j'ai créé un Instagram vente qui s'appelle Anaïs Vide Son Dressing. Je voulais vous mettre juste ici, je vous le mettrai en barre d'infos. Et donc voilà, c'est vraiment des tout petits prix, j'envoie assez rapidement et voilà, c'est vraiment des tout tout petits prix, donc pour celles qui sont intéressées, allez-y. Et pour celles qui aiment faire des réflexions à longueur de temps, sous mes vidéos, sous mes commentaires Instagram, etc. Les critiques constructives, je prends, mais quand c'est du style, tu te touches les cheveux tout le temps, des machins, des trucs, c'est bon quoi. À chaque vidéo que je poste, limite, vous êtes obligés, enfin, certaines personnes sont obligées de blablater là-dessus, il y a toujours un truc qui ne va pas. Quand c'est pas ci, c'est pas ça. Quand je fais attention à mes cheveux, ben, elles trouvent autre chose. À la longue, ça devient saoulant en fait, ça devient fatigant. Parce que en fait, vous regardez limite les vidéos pour voir sur quoi vous allez pouvoir critiquer. Et ça devient épuisant. Franchement, quand tu vois que tu fais un bon contenu, que tu te mets à fond dans ta vidéo, et qu'en fait, par commentaire, tu vois que certaines personnes sont là, oui, tu touches trop tes cheveux, tu dis trop, donc voilà. J'essaie de m'arranger, mais arrêtez toujours, toujours, toujours de devoir. Vous me le dites une fois, je comprendrai. Mais arrêtez sous chaque vidéo de me le dire. Ou alors les personnes qui limite marcellent par commentaire pour que je mette les liens de AliExpress, etc. Alors que je vous avais dit en plus dans la vidéo que je n'avais pas le temps de les mettre pour l'instant, mais que je les mettrais, mais que voilà, fallait attendre. Ma vie, c'est pas que YouTube, comme certaines le savent. J'ai une vie à côté, donc voilà. Voilà quoi, c'est un peu compliqué. Donc voilà, c'est un peu énervant. Je prends sur moi, je prends sur moi, mais à la longue, en fait, ça devient fatigant. Et on se dit, mais enfin, est-ce que clairement les vidéos plaisent ou pas? Parce que quand on voit ce genre de commentaires, on se dit, mais est-ce qu'elles sont là pour regarder les vidéos et le contenu parce que ça leur plaît? Ou est-ce qu'elles sont là pour voir sur quel point elles vont pouvoir lancer des critiques? Donc voilà. Après, je fais abstraction de tout ça, j'essaie de passer à côté, mais c'est vrai que, enfin, sous chaque vidéo, il y en a toujours des personnes qui viennent lancer des réflexions comme ça, ou même sous mes photos Instagram, etc. Mais c'est énervant. C'est énervant, tout ça parce que je mets pas un smiley quand une personne me demande le prix avec frais de port compris, je mets pas un smiley, donc c'est que je suis froide. Faut arrêter, au bout d'un moment, on n'est pas toujours obligé de mettre des tonnes de smiley, mettre des pavés de sourire et tout le bazar. Je vois pas ce que. Enfin, je réponds à la question, après voilà, je suis pas non plus obligée de mettre des cœurs, des bisous, des machins, des trucs. Je réponds à une question, la personne m'a pas mis de smiley non plus, et pourtant on lui dit rien. Donc voilà, c'est mon petit coup de gueule, mais ça me saoulait en fait, fallait que je le dise. Donc voilà. Donc là, j'ai fini de me maquiller. Je vais vous montrer un peu le maquillage que j'ai fait. Et puis je crois que. Désolée, ma caméra a coupé. Comme je disais, je crois que je vous ai tout dit. Mais c'est vrai que ça devient saoulant. Et je voulais vous le dire dans une vidéo comme ça, pour pas trop trop être hors sujet avec les vidéos que je poste. Mais voilà, fallait que je vous le dise. Donc ne le prenez pas non plus mal. Mais c'est juste que voilà, je suis franche, dans la vie de tous les jours, je dis ce qui ne va pas, et donc là, fallait que je le dise. Donc voilà, j'ai fini de me maquiller. J'ai fait un truc un peu chargé, mais parce que j'aime bien, moi c'est mon style vraiment d'avoir les yeux chargés. Je vais juste mettre. Non, je ne vais pas mettre un truc sur les lèvres, parce que de toute façon, pour l'instant, je reste chez moi, à moins que je prévoie un autre truc au dernier moment.
ce qui serait fort possible. Ça rentre même plus les palettes. Voilà. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà le maquillage que j'ai fait sur les yeux. Donc c'est un peu du noir, du bronze. Au niveau du coin interne, j'ai mis de l'highlighter et du blanc. Parce que j'aime trop mettre de l'highlighter. Je trouve que c'est très lumineux. Et voilà, j'en mets pas sur les pommettes parce que... parce que je vais trop briller sinon parce que j'ai la peau grasse. Mais voilà. Donc j'espère que ça vous plaît. Dites-moi par commentaire, mettez des pouces en l'air si vous voulez ce maquillage-là dans une vidéo. J'espère que ce style de vidéo vous plaît. Je vous fais de gros bisous et on se dit à la prochaine. Bye bye!